Bonjour, je m'appelle Frère Philippe. Je suis dans la communauté depuis pas mal de nombre d'années et je suis aussi prêtre au service de la communauté. Et en ce moment, comme vous avez pu voir sur les photos, notre grand travail, c'est que pour qu'un prêtre puisse célébrer, c'est bien s'il puisse célébrer dans un bel endroit, et c'est ce que nous sommes en train de réaliser, une construction d'une église. Et par notre temps, c'est chouette de pouvoir participer à un tel projet. Merci. Bonjour frère Jérémy, en vœu définitif depuis le mois de juillet dernier, je m'occupe du service expédition des commandes internet et je suis à mi-temps sur le chantier de la chapelle. Alors on m'a dit de me présenter, donc je m'appelle frère Ephraim et puis bon, effectivement, je participe aux travaux du chantier de la construction de l'église qui sera attenante au futur monastère que nous souhaitons voir s'élever de terre bientôt aussi. Voilà, je suis très heureux d'être ici, à Saint-Joseph-de-Montrouge, au milieu de ce grand parc dont je m'occupe aussi en partie. C'est très plaisant. Sauf quand le vent du nord souffle, il est extrêmement glacial et c'est pas toujours évident. On ne croirait pas dans le sud, pourtant c'est la vérité. Et malgré le froid, frère Ephraim, avec sa décapotable, est parti chercher des bénévoles dans toute la région, et même jusqu'à Lyon. Une fine équipe. Et derrière la caméra, sœur Constance et sœur Marthe.